Après six mois de difficiles négociations avec beaucoup de hauts et de bas, nous avons enfin trouvé un accord. La première tranche, qui doit maintenant être payée, est de 26 milliards d'euros, dont 10 milliards qui seront utilisés pour la recapitalisation des banques et la promotion des flux de capitaux. Ceci est évidemment important pour que l'économie grecque puisse se développer de manière dynamique. Pour que le FMI considère un soutien financier futur, il y a deux questions cruciales. Nous le réalisons et l'acceptons. Premièrement, il doit y avoir une claire définition des réformes dans le domaine fiscal, structurel et financier. Et deuxièmement, la viabilité de la dette doit être assurée. Il y a vraiment un esprit aujourd'hui calme, un esprit serein, un esprit positif. Si je voulais employer un grand terme, je crois qu'il y a un retour de confiance entre les ministres des Finances et le gouvernement grec. Ce retour de confiance était indispensable.